Alors, le film sur la F1 reprend la production. La production se poursuit au Daytona International Speedway en Floride. Les essais pour le championnat IMSA Sport Car auront lieu à partir du 19 janvier. Une semaine plus tard, la saison débutera en Floride. L'équipe de tournage sera également présente. Il était prévu que le film 2023 de Lewis Hamilton se tourne à différents endroits. Ouais, bah alors là, ça n'a rien à voir avec la F1, l'IMSA, du coup. Comme pour les week-ends de F1, où il y avait une voiture de F1 simplifiée, prête pour l'équipe fictive de Brad Pitt, il y a maintenant une équipe prête au nom de l'IMSA. Elle sera filmée pendant l'événement. What? Et c'est quoi le scénario là? On ne sait pas encore si Brad Pitt conduira lui-même la voiture ou si on le fera pour lui. Bon, je doute qu'il conduise lui-même, honnêtement, ça m'étonnerait. Ouais, je serais curieux de savoir le scénario quand même de ce film au final. Il y aura l'IMSA, l'endurance, la F1. Peut-être que le scénario dit que le pilote fait de l'endurance avant de passer en F1 ou inversement, je sais pas. J'ai hâte de voir en tout cas ce film. Ce sera pas pour cette année, je pense. Plutôt 2025 a priori, mais je suis curieux de le voir quand même, voir ce que ça va donner. Allez, bye.